Je pense bien qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Oli la machine. Quand je parle de Oli la machine, à chaque fois, là, les gens pensent que non, c'est de la musulmane. Vous-même, regardez Oli la machine. Vous le voyez très bien. Et puis, regardez Francis Ngannou. Et puis, regardez la petite photo que j'ai mise là. On me dit que non, c'est Oli la machine qui a été de combattre avec le blanc là. Le blanc qui a frappé le gars là. On dit c'est Oli la machine. Moi, je ne crois pas. Hein. Parce que si c'est Oli la machine, moi, je suis découragé. Oli la machine, regardez quelqu'un. Regardez ses abdos. Regardez les muscles. Jusqu'à dans ses pieds même. André Robot, ils ont dessiné. Ah, vous aussi. Arrêtez de faire les choses comme ça. Oli la machine ne peut pas glisser comme ça. Il n'y a pas peau de banane sur le ring là. Il ne peut pas glisser. Ah, le combat que maman a vu hier, le gars n'a même pas de pied d'appui. Vous dites que non, c'est Oli la machine. C'est pas Oli la machine. Hein. Oli la machine, moi j'ai confiance. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Il peut bien déstabiliser Francis Ngannou. Regardez très bien. Regardez Oli la machine. Il ne fait pas semblant. Hein. Regardez vous-même, vous le voyez très bien. Ça, lui là, son un seul coup de poing là. Hein? C'est pour détruire Francis Ngannou. Son un seul coup de poing. C'est pour le déstabiliser. C'est pour verser. Hein? Le visage du champion du poids lourd qui est Francis Ngannou par terre. Oli la machine, ça ne m'amuse pas. Donc là, hey, vous là, il n'y a pas de Oli la machine. Hein. Je n'ai pas de Oli la machine. Il n'est pas là pour s'amuser. Ce n'est pas petit boxeur. Je vous préviens en même temps. Commencez à prier pour Francis Ngannou parce que là, Oli la machine va le démonter dans les jours qui viennent. Vous comprenez? Voilà.